good day. Welcome to Our News, a televised publication of government information from the collectivité de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Our News. Stories for this week include... Au sommaire de l'actualité... Hurricane season 2019... Conférence de presse sur la prochaine saison cyclonique... Abolition of slavery commemoration ceremony... Et pour terminer, la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Welcome back. The 2019 hurricane season has begun. Now is the time to prepare, if you have not started already, for a potential landfalling tropical storm or hurricane. A press conference was held on Monday, May 27, 2019, with Vice President Yawu Nyanzi and Natural Risk Management Department Director Charlotte Tarek, representing the Collectivité de Saint-Martin, and State Representatives Prefect Sylvie Fischer and Chef de Cabinet Grégoire Père Dussault. There are 7 hurricane shelters being provided to accommodate 1,500 persons: Evelina Ali School, Irving Williams School, Emile Choisy, Mary Antoinette Richards, Robert Wienem Cité Scolaire, and Claire St. Maxime School. Only when the red alert is given should you proceed to a shelter. Areas prone to flooding have no shelters, therefore, inhabitants are asked to use the shuttle service that will be provided by the collectivité to go to the nearest shelter. Regarding the SMS messaging alert system that provides important pre-hurricane information by cellular phone messaging, only 544 persons have subscribed to this service. The authorities are urging those who have not subscribed as yet to this alert system to do so immediately by visiting the collectivité's website that you see on the screen, or you may download it from the My Saint-Martin application. Other sources of communication include radio stations and newspaper. A megaphone system will also be in place as the last resort of communication. A major neighborhood cleanup campaign will be launched by the collectivité in June. The end of life ELV free removal campaign will also continue on the public and private domain. If you would like an ELV picked up, please contact the environment department. Just a few things to take note. Determine your risk. Find out how would the wind and water affect where you live. Develop an evacuation plan. Know your zone evacuation plan. Plan your route out. Follow your plan if asked to evacuate. Gather disaster supplies. Have enough food and water for each person in the household for at least 3 days. Be sure to fill prescriptions and check batteries for portable radios and emergency lights. Check your insurance. Make sure it's up to date. Know your policy and have your documents on hand. Strengthen your home. Trim the trees. Check storm shutters, collect loose outdoor items, and store them in a safe location. It's important to prepare yourself. Be ready and be safe. Natson. Et oui, Keisha, la conférence de presse a eu lieu ce lundi 27 mai 2019 par le deuxième vice-président Yawu Nyanzi et la préfète Sylvie Fischer afin de présenter le kit de presse comportant l'ensemble des informations à diffuser au public dès le 1er juin et tout au long de la saison cyclonique 2019. La collectivité rappelle qu'une campagne de nettoyage sera lancée au mois de juin à travers une opération collective de nettoyage dans les quartiers et la mise à disposition de bennes. La campagne d'enlèvement gratuit des véhicules hors usage, VHU, se poursuit sur le domaine public et aussi privé. Il suffit d'en faire la demande à la collectivité auprès de la direction de l'environnement et du cadre de vie. Merci d'insister sur l'inscription à l'alerte SMS, réception des informations directement sur son mobile en cas de phénomène via le site internet de la collectivité, juste affiché en bas de votre écran. Une campagne de communication est prévue en appui. Keisha. As part of the European Week of Sustainable Development, the Prefecture of Saint-Martin and Saint-Barts and the Collectivité de Saint-Martin organized a grand event entitled A Bottled at the Sea on Friday, June 7th and Saturday, June 8th, 2019 from 9 a.m. to 5 p.m. on Marigot Waterfront. A village of stands will showcase the actions and products made by Saint-Martiners for Saint-Martiners to raise public awareness of environmental protection. Exhibitors who work throughout the year to respect the environment will present their initiatives. The non-polluting and organic products of Saint-Martin, the professions related to the environment, as well as the work of the students who have chosen to be involved in the preservation of the environment will be highlighted during these 2 days. A documentary film produced by the Communication Department of the Collectivité and the Prefecture of Saint-Martin Saint-Barts will be broadcast.
Deux grandes journées intitulées « Une bouteille à la mer » se préparent sur le front de mer de Marigot dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. La préfecture de Saint-Martin et Saint-Barth et la collectivité de Saint-Martin organisent une grande manifestation les vendredis 7 et samedi 8 juin 2019 de 9h à 17h sur le front de mer de Marigot. Un village de stand mettra à l'honneur les actions et produits réalisés par les Saint-Martinois pour les Saint-Martinois pour sensibiliser le grand public à la protection environnementale. Les exposants qui œuvrent tout au long de l'année pour le respect de l'environnement présenteront leurs initiatives, les produits non polluants et bio de Saint-Martin, les métiers liés à l'environnement ainsi que le travail des élèves qui ont choisi de s'impliquer pour la préservation de l'environnement seront largement mis en valeur lors de ces deux journées dédiées. Un film documentaire réalisé par le service communication de la collectivité et la préfecture de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sera diffusé sur grand écran géant. Des reportages tournés à Saint-Martin viendront mettre en lumière les acteurs locaux de l'environnement. À l'issue des projections, un débat citoyen sera organisé pour débattre des problématiques environnementales et mettre en exergue les solutions qui peuvent être apportées sur notre territoire. Kisha. The president of the Collectivité de Saint-Martin and the Territorial Council invited the population to the commemoration of the 171st anniversary of the abolition of slavery on Tuesday, May 28th by the Lady Liberty statue by the roundabout in Agrément. Vice President in charge of culture, Valerie Damazo, used the opportunity to remind others of the stakes that was paid for our freedom today. Saint-Martin a commémoré ce mardi 28 mai 2019 la date officielle de l'abolition de l'esclavage sur le territoire. Une représentation artistique orchestrée par le service culture de la collectivité avec les élèves des bibliothèques, centres documentaires, des écoles, les élus du conseil territorial des jeunes et les troupes de chanteurs et danseurs de Natichan en sang et Grain d'or a été présentée au public au son des percussions d'Eli Kouyas et ses musiciens. La commémoration s'est déroulée auprès de la statue Lady Liberté, symbole de l'émancipation sur le rond-point d'Agrément. Les discours officiels prononcés par la première vice-présidente Valérie Damazo, la députée Claire Guillon-Firmin et la préfète Sylvie Feuchère ont été ouverts par l'hymne de Saint-Martin aux suites Saint-Martin-Land, magnifiquement interprété par Sidonie Miller. La cérémonie a été ponctuée par une présentation de la vie des esclaves avec l'émancipation représentée par Mr. Jean Bol et sa troupe particulièrement émouvante. Voici quelques images. Décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, 27 avril 1848. Au nom du peuple français, le gouvernement provisoire, considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir, qu'il est une violation flagrante du dogme républicain, liberté, égalité, fraternité, considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l'abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres. Décrète. Article 1er. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, 2 mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront interdits. Article 2. Le système d'engagement à temps établi au Sénégal est supprimé. Article 3. Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d'appliquer l'ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendance, à l'île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français de la côte occidentale d'Afrique, à l'île Mayotte et dépendance et en Algérie. Article 4. Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n'auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative. Article 5. L'Assemblée nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons. Article 6. Les colonies purifiées de la servitude et les possessions de l'Inde seront représentées à l'Assemblée nationale. Article 7. Le principe que le sol de la France affranchit, l'esclave qui le touche est appliqué aux colonies et possessions de la République. Article 8. À l'avenir, même au pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder,
d'acheter ou de vendre des esclaves et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînerait la perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions au moment de la promulgation du présent décret auront un délai de 3 ans pour s'y conformer, ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers par héritage, dont tout mariage, devront sous la même peine les affranchir ou les aliéner dans le même délai à partir du jour où leur possession aura commencé. Article 9. Le ministre de la Marine et des Colonies et le ministre de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, fait à Paris en Conseil de gouvernement le 27 avril 1848. La cigogna namadi si baba atiti u gognama gognama o e pwebo o baba gondie baba na cigogna namadi si babo gognama gognama o e pwebo. Na cigogna namadi asi babo gognama 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 minabele gognama gognama Africa Africa Africa, Africa, Nati Gonya Babo, Africa Babo, Elelele, Africa, 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 Shaila, Africa, 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 Shaila, Africa, Africa, Shaila, Africa, Africa. On the day we unite on this planet. Into the sun, there is more to see that can never be seen, and what to do that can never be done. There's far too much to take it here, and to look into whatever be found. With the sun going high and the sun going down, therefore, now we never first light in the beginning of life. In the sun, till we find back home. Africa, Africa, Africa. On a path I'm finding.
don't say where, you find an island there, so lovely small, with nation free, with people French and Dutch, though talking English much, as the St. Martin in the sea. Oh, sweet St. Martin's land, so bright by beach and strand, with sailors on the sea in harbors free, where the chains of mountains green, variously in sunlight sheen. Oh, I love thy paradise, nature's beauty fairly nice. Oh, I love thy paradise, nature's beauty fairly nice. How pretty between all green, flamboyant beaming gleam, of flowers red, my sunlight set, thy cows and sheep and goats, in meadows or on road, thy donkeys keen, I can't forget. Oh, sweet St. Martin's land, so bright by beach and strand, with sailors on the sea in harbors free, where the chains of mountains green, variously in sunlight sheen. Oh, I love thy paradise, nature's beauty fairly nice. Oh, I love thy paradise, nature's beauty fairly nice. St. Martin, I love thy name, in which Columbus' fame and memories of old are closed. For me a great delight, thy sudden cross the night. May God the Lord protect thy cause. Oh, sweet St. Martin's land, so bright by beach and strand, with sailors on the sea in harbors free, where the chains of mountains green, variously in sunlight sheen. Oh, I love thy paradise, nature's beauty fairly nice. Oh, I love thy paradise, nature's beauty fairly nice. Merci. Protocole déjà étant établi. Protocol has already been established. Good afternoon to one and all. Again, let's give a big round of applause to our talents, our youth, the true ambassadors of this island. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille cette année, encore une fois, pour cette commémoration de la date officielle de l'abolition de l'esclavage à Saint-Martin. Au-delà du devoir de mémoire qui nous permet d'honorer nos esclaves, à qui nous devons notre liberté aujourd'hui, quelque peu pris à la légère, cette commémoration est aussi et toujours l'occasion pour nous d'affirmer notre identité caribéenne, notre identité noire. La fierté d'être noir est le premier socle de la lutte que nous avons commencé tous ensemble pour défendre notre spécificité d'insulaire et d'anglophone. It is imperative that we always use moments like this to remind others of the high price that was paid for us to be free today. The first sacrifice that was acknowledged the 28th of May, 1848, should encourage all to continue in these modern days to reclaim what is defined to us as a people. The way we live, the way we talk, the way we laugh, the way we dance, even sometimes the way we think, is an heritage of the way our ancestors were. Le rendez-vous que nous avons aujourd'hui devant Lady Liberty n'est pas juste un simple moment d'amusement ou de folklore, mais un vrai spectacle commémoratif mettant en avant la richesse de notre culture et des traditions. Je me
doit donc saluer les défendeurs de notre culture, de notre histoire, tels que Mme Daniela Jeffrey, à qui nous devons le travail de recherche acharné qui a abouti à faire modifier le régime des dates de commémoration liées à l'esclave et d'une manière singulière permet à Saint-Martin soit, que Saint-Martin soit distingué dans les Outre-mer avec sa propre date de commémoration qu'est le 28 mai. Nous devons maintenant, en tant qu'autorité publique, avec nos services, engager le travail de formation auprès des jeunes afin que jamais l'histoire ne soit oubliée. Afin de s'assurer que cette ère nouvelle, fondée sur des valeurs comme la liberté, le respect d'autrui et l'égalité entre les hommes, soit notre fil directeur. Afin d'être certain que la richesse culturelle et patrimoniale unique que nous partageons soit sans cesse promue et préservée. Je suis convaincue que c'est dans ces valeurs fédératrices et de partage que nous devons puiser notre inspiration pour avancer ensemble, unis, bienveillants les uns envers les autres. I have engaged myself in politics to learn and also to share what I am learning about who we are as a people. It is indeed important to know where we came from to understand where we are headed. For this, we have decided to challenge ourselves and go beyond our measures, to retrace our history, and by doing so, for each commemoration that it be held on one of our historical sites. Last year, the commemoration was in the iconic town of Colombier, the pillar of our green heritage. This year, we are here at the roundabout in front of Lady Liberty, the symbol of the insidious work of women, even for the fight for freedom. So again, I applaud all those that participate in making this day possible. On this beautiful sunny day, let's enjoy who we were, who we became, and who we aspire to be as a people. Soyons garants de notre présent et d'un futur collectif à la fois constructif, serein et respectueux de nos valeurs. I thank you. Je vous remercie. Je tiens tout d'abord à remercier les jeunes pour leur prestation. Valerie, I think you said it all. After you, what can I say? Je suis très heureuse d'être parmi vous cet après-midi pour ces commémorations du 171e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Très heureuse aussi, après une belle cérémonie à Colombier l'an dernier, que nous puissions nous retrouver cette année au pied de notre Lady Liberty, pour commémorer cette date importante pour les Cabiréniens que nous sommes. Comme chaque année, nous nous retrouvons pour nous souvenir des deux siècles de souffrance et d'humiliation endurées par nos aïeux, pour honorer le souvenir des esclaves et la mémoire de toutes celles et tous ceux. Je pense au commandant Delgrès, à Toussaint Louverture, à la femme d'Ubout Solitude, mais aussi à Auguste François Périnon. De toutes celles et ceux, donc, qui ont combattu de hautes luttes pour mettre fin aux plus abjects des systèmes. Une cérémonie de souvenir qui nous offre l'occasion de nous reconnaître dans un passé commun. Non pas pour fixer l'homme, mais bien au contraire pour lâcher l'homme, disait Frantz Fanon. En somme, pour mieux continuer ensemble à construire l'avenir. Car les luttes d'hier justifient les combats d'aujourd'hui, quand, selon les Nations Unies, quelque 40 millions de personnes dans le monde demeurent les victimes d'un esclavage dit « moderne » qui englobe le travail forcé des enfants jusqu'à la marchandisation des corps des femmes. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une belle cérémonie de commémoration. Je vous remercie. Thank you. Merci. Alors, je ne vais pas manquer, comme Madame la Première Vice-Présidente et Madame la Députée, de remercier tous ces jeunes qui se sont engagés pour cette cérémonie et qui nous ont donné un si beau spectacle. Merci à vous, et je crois que ce n'est pas terminé, donc on a encore quelques moments de bonheur devant nous. Merci, en tout cas.
Madame la députée, monsieur le vice-premier ministre du gouvernement de Sint-Maarten, madame la première vice-présidente de la collectivité de Saint-Martin, mesdames et messieurs les élus du conseil territorial, madame la présidente de la CCISM, monsieur le président du CESC, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires de l'État, madame la présidente du tribunal d'instance, mesdames et messieurs les représentants des conseils de quartier, monsieur le président du conseil territorial des jeunes, mesdames et messieurs les représentants du conseil territorial des jeunes, mesdames et messieurs les représentants des associations culturelles, mesdames, messieurs, et je rajouterai chers jeunes. Liberté, égalité, fraternité. La devise de la République française est inscrite sur les frontispices de nos bâtiments publics et les valeurs d'humanisme qu'elle porte nous semblent intemporelles et universelles. Cette devise fait partie de notre quotidien et nous n'imaginons pas qu'il puisse en être autrement. Mais l'histoire nous enseigne, y compris la plus récente, que ce qui nous semble aujourd'hui naturel et inamovible a été acquis ou maintenu de haute lutte par des femmes et des hommes qui ont refusé l'asservissement et la barbarie. Le combat des esclaves pour leur liberté et des abolitionnistes pour l'humanité a servi l'édification de la France. Il a contribué au triomphe de la liberté des peuples et des hommes, à l'égalité de tous et à la fraternité qui nous lie. Les premiers à combattre l'esclavage ont été les esclaves eux-mêmes. Leurs révoltes ont été sévèrement réprimées et beaucoup ont payé leur courage de leur vie. Mais leur sacrifice n'a pas été vain. Ils ont réveillé les consciences. Ainsi, le commandant de la Basse-Terre, Louis Delgret, soldat de l'armée républicaine, se prononçait avec force contre le rétablissement de l'esclavage et rappelait que la résistance est un droit naturel. Sa proclamation du 10 mai 1802, à l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir, est un modèle de courage et de dignité humaine. Le cri de ralliement de ces soldats, vivre libre ou mourir, a retenti jusqu'au dernier, et leur sacrifice pour la liberté, contre la barbarie, mérite le respect. Dans l'histoire de l'humanité, l'esclavage est un drame, dont tous les continents ont souffert, dont certains souffrent encore. L'esclavage moderne est pernicieux. Le travail forcé existe encore dans de nombreux pays, sous une forme ou sous une autre. Vous l'avez rappelé, Madame la députée, l'Organisation des Nations Unies estime que plus de 40 millions de personnes en sont encore aujourd'hui victimes à travers le monde. 71% d'entre elles sont des femmes et des jeunes filles. Comment tolérer que tant d'êtres humains ne soient encore aujourd'hui pas libres de choisir leur destin ? L'esclavage passé et moderne, sous toutes ses formes, nourrit la défiance et le racisme. Toute idéologie qui proclame que les humains ne sont pas égaux entre eux, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa forme, sexisme, antisémitisme, racisme, est un crime. En 1948, à l'occasion du centenaire de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, Gaston Monnerville affirmait que le peuple de France est hostile à toute négation de la liberté. En 2001, notre pays a été le premier pays au monde à reconnaître l'esclavage colonial, crime contre l'humanité. Pays des droits de l'homme, la France poursuit sa lutte contre toutes les survivances de l'esclavage. En ce 28 mai, jour de mémoire et de commémoration à Saint-Martin, rappelons-nous les paroles et les actes de Victor Schœlcher, homme engagé qui a obtenu l'abolition définitive de l'esclavage par décret du 27 avril 1848. Il a poursuivi ses combats, contre l'illettrisme notamment, et permis à des milliers d'hommes d'avoir accès à l'éducation, car l'éducation renforce la liberté. Soulignons aussi l'œuvre accomplie par les intellectuels caribéens, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Maryse Condé, France Fanon et bien d'autres, qui au travers de leurs œuvres nous enseignent que la véritable servitude n'est pas celle de la chair, mais celle de l'esprit. Madame la première vice-présidente de la collectivité Saint-Martin, mesdames, messieurs, les mots liberté, égalité, fraternité résonnent tout particulièrement en ce jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage. La France défendra toujours avec vigueur l'égale dignité de tous les êtres humains. N'oublions jamais. Vive la République, vive la France.
I've been a here a long time, master been a high up.
slave, slave. Oh, poor slave, slave, slave. Oh, poor slave. Ah, we got emancipation. Yahweh, 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 Yahweh. Ah, we got freedom. Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ah, we got freedom. Ah, we got freedom. Yahweh, 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 Yahweh. Ah, we got freedom. Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ah, we got freedom. Walk free. Walk, walk free. Walk free. Walk free. Walk free. Done. Remember all the fine men and women of this sweet rock who make the way, who navel string very hill, this soil, and every root and every cornerstone makes the way to our very existence. Tell them, brother. Tell them. Tell it to them. Come! Yeah, come. Come here, but we heroes, right, we pioneers, come. Come here, but we story now. If you never did know, come. Come, let me make you know. Tell it to them. But we bakers. Yes. Yes. Oh, yes. Miss Tancé. 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 Miss James. Miss James. And Miss Vero. Oh, Miss Vero. Oh, Vero. Vero. But we merchants and local saleswomen, Miss Forget, who clothed us with shoes and clothes, Miss Zakitel. We butcher Miss Ebe. Oh, Miss Ebe. And her sweet, sweet boudin pudding. Oh, gosh, Mr. White and Miss Mardi Joe. They were we butchers. Yeah. Yes, sir. Yes, oh, yes. Yeah. We carpenters, masons, plumbers,
Popo Kettel. Popo. Mm-hmm. Ernest Fleming. Yeah. Mr. Tendu. Yes. Mr. Richard. Yeah. We people are hard working people now. Hard working people. And they're strong. Hey. Oh, yes. We people, they know how to swim one. Yes, tell them. They know how to win blue. Yes. Mm. We built our own building with work of fortitude. Yes. Just like the strength of we resilient spirit. Yes. Woo! Woo! Yes, girl. Oh, yes. Because we could never forget. We could never forget. Could never who forget. We are. And where we going. Yes. And after all that work must go on. Yes. Oh, yes. We must move. Oh, yes. Let me pop. Gotta get ready. Where my word at? Mama, you need word? Yes, my word. Bring them my word for me, please. I'm coming. Cooking for them children. God, can't do nothing right. Bye. Look, yes. Mama. This enough word? Yeah, that's enough. You sure? Yes, my child, yes. All right, Mama. Yeah, sweet boy. One. Now, man, that good. Yes. Woo. Smelling good too, eh? Good at you. Troy! Hey! You, Troy, come here. Yes, ma'am. Come here. No. Yeah. I need you to listen to me carefully. You listening to me, Troy? Yes, ma'am. You sure? Yes, ma'am. All right. You look sure? Yes, ma'am. Okay. I want you to go in the back and get my tralala that pants done for me, please. And I need you to go in Freetown by Miss Nez. Because I need me some bread. Let's come. You pop in it by yourself, eh? Hey. Remember, Troy? And you know she finished early, so you best make it, eh? All right, then. Your best run. Oh, but wait. Wait. Yes, ma'am. Wait. I need you to go in Old Little Alley first, my Mr. Charville, and ask Mr. Charville for some gooseberry, because you know, me love me some gooseberry tart. All right, then. Oh, Troy. Yes, ma'am. Don't forget. I say ask him. Don't take him. Okay. Oh, Troy, wait, one more thing. Hold on. Yes. Hold on. I don't want to get burned here. Yeah. Oh. Troy! Yes. I want you to listen to me good. Okay? Remember what I tell you, eh? I want you to go in by Miss Doreen and them. Yes, ma'am. Okay? And I want you to go and tell her, remember, eh? That I say, hello! Tell her say hello! Girl! Oh! Don't misspeak on this rock! And you will come back, and that spit dry. It's gonna be me and you. Alright? Okay then. Them children, them by. Feeding them every day. Oh, let's go, with them attitude, they got you. Pong. Let me let that sit here. Let me go take. Let me go and help them with this. Let's go. Pong ara pong. Pong ara pong. Pong ara. Pong ara pong. Hey! Pong ara pong. Pong ara. Pong ara pong. We pong ara. Pong ara pong. Pong ara pong. Whoa! Pong! Pong ara pong. Hey! Pong ara pong. Ho! Pong ara pong. Pong ara pong. Pong arrow pong. Pong arrow pong. Yes! Pong arrow pong. Pong arrow pong.
Pong, arrow, pong. Pong, arrow, pong. Pong, arrow, pong. Hey! Do you know Mr. Jambole? Bimba. That man from Colombia. Bimba. He owe me $1 bill. Bimba. He owe me for something. Bimba. He jump on the donkey back. Bimba. He jump on the left foot. Bimba. He jump on the right foot. Bimba. He shake his tail. Bimba. He shake his waist. Bimba. He shake his head. Jigga legga bimba. Jigga legga jigga legga jigga legga jig. Jigga legga jigga legga jigga legga jigga legga jig. Do you know Mr. Jambole? Bimba. That man from Colombia. Bimba. He owe me $1 bill. Bimba. He owe me for something. Bimba. He jump on the donkey back. Bimba. He jump on the left foot. Bimba. He jump on the right foot. Bimba. He shake his head. Bimba. He shake his way. Bimba. He shake his head. Jigga legga legga jigga legga jigga legga jigga legga jigga legga jig. Jigga legga jigga legga jigga legga jigga legga jig. I catch you. Do you know Mr. Jambole? Bimba. Woo! Woo! Let's go take a walk. Let's go. Jade. Very nice ceremony. Indeed.
That wraps it up for this edition of Our News. Don't forget to like us on Facebook at Collectivité de Saint-Martin/Our News. You may visit our website at www.saintmartin.fr. You may also listen to us every Monday at 12 noon on your favorite local radio station, SOS Radio 95.9, Youth Radio 92.5, and Radio Saint-Martin 101.5. Retrouvez toute l'actualité de la collectivité en allant sur notre page Facebook, Collectivité de Saint-Martin/Our News, ou tout simplement visiter notre site internet. Également, vous pouvez nous écouter tous les lundis à partir de midi, le journal radio Our News, sur SOS Radio 95.9, Youth Radio sur la 92.5 et Radio Saint-Martin sur la 101.5. On the behalf of the communication department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Nelson Paul. Have a good evening. Excellente soirée.